Ah, là, c'est pas inintéressant. On va perdre 5 minutes. Qu'est-ce que c'est? C'est un panneau, voilà. Un panneau d'une association de pêche qui nous indique qu'on est en première catégorie. Donc, c'est une rivière où il y a des salmonidés, généralement les truites ou les saumons, qui est gérée par une association. Voilà, on est sur un domaine public géré par une association. Doute ma bite. Hein? Il n'y a rien qui vous choque? Moi, si, quand même. Mais bon, on en reparlera une autre fois. C'est assez intéressant. Bref, en un mot, l'État s'est dégagé un petit peu de ses responsabilités pour les offrir à des gens qui font du mieux qu'ils peuvent avec leur cœur comme ils peuvent, mais pas toujours comme il faut. Peu importe. On voit que l'asticot est interdit. Pourquoi, me direz-vous? Moi, je vous parlais clairement. C'est un appât qui ne coûte pas cher et qui permet d'appâter, de jeter beaucoup d'aliments pour attirer le poisson. Imaginez si vous aviez un seau de ver de terre, vous le jetez dans la rivière, évidemment les truites voudront du ver de terre. Donc ils ont interdit l'asticot parce qu'il n'est pas cher. Voilà la vérité. Et non pas les empoisonnements que si que nous. Au passage, dans des pays, dans des endroits comme en Ariège, sur l'Ariège, ou sur les gaves, le saison à Tardette et tout ça, l'asticot est autorisé. Et des truites, il y en a, je dirais, même plus que dans celle-ci. Donc encore un truc bizarre, je continue. Et 5 truites par jour et par pêcheur. Non mais, qui mange, bouffe 5 truites par jour? Non mais faut arrêter de déconner, c'est trop, 5 truites con. N'importe quoi. Non mais c'est... Bon bref, respectez les berges, on s'en fout, voilà, parce que tout le monde de toute façon fait comme il veut. Et on a fait le tour. Donc aujourd'hui, on est dans une APPMA réciprocitaire, voilà, qui fait partie d'un groupement d'associations. Allez, rebelote, groupement d'associations. Où on peut pêcher partout. Bref, ce qui veut dire que des pêcheurs de grandes villes peuvent venir dans les rivières des petites villes. Voilà. L'abiotisme, il marche surtout dans un sens, pas trop dans l'autre. Hein. Donc en un mot, on vient quand même par la liberté à plusieurs, mais vraiment beaucoup de pêcheurs au même endroit. Bon, et j'arrête, on y va, venez, on va à la pêche. Les gens, ils sont propres et ordonnés. Bien sûr qu'ils sont propres et ordonnés. Quand vous aurez compris que quand il n'y aura plus de poubelles, il n'y aura plus de déchets, il ne faut pas mettre les poubelles. Alors, écoutez-moi, ça ne sert à rien. On a fait le test dans d'autres actions. Quand on met les poubelles, les gens se dédouanent. Voilà, c'est des gens bien qui ont rangé là, vous voyez. Et oui, parce qu'ils trient. Ils trient là. Voilà, au lieu de les rembarquer chez eux, ça me rend fou. Voilà. Allez, oh, du landart. Ça, c'est sympa. Voilà, ça, c'est cool. En plus, avec des feuilles de renouée, qui est une plante invasive qui a été importée, qui a envahi nos cours d'eau. En tout cas, ils en ont fait quelque chose de beau. Voilà. Allez, on va à la pêche. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, encore du landart.